Non mais on n'en pouvait plus d'attendre cette vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour enfin une vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions sur mes ongles que je fais moi-même depuis un an et demi et qui sont en gel. Big up à toutes les personnes qui depuis 7 ans me demandent quelle est la couleur de mon vernis. Le vernis est la chose que je déteste le plus au monde. Je pense que je dois avoir dans toute ma maison 3 pots de vernis que je mets sur mes pieds quand j'ai pas le temps de faire du gel. Et même ça, ça me saoule. Donc voilà, non, mes ongles sont en gel et depuis peu, vous pouvez voir sur les réseaux, donc Instagram, Snap, etc. Enfin depuis peu, je dis ça, maintenant ça fait un an et demi, que je fais mes ongles moi-même. Quand, quoi, comment, est-ce que je me suis engueulée avec la personne qui faisait mes ongles, voilà. Tout ça, on va en parler maintenant. Ah! Et c'est les derniers jours pour vos Top People Choice Awards, donc si vous ne l'avez pas encore fait, là il vous reste quelques jours pour le faire, jusqu'au 18 octobre. Vous avez 25 votes par jour, et au moins on n'aura pas de regrets les petites biches, voilà, on aura tout donné. Et encore une fois, mes mille merci à toutes celles et ceux qui votent tous les jours. Alors, en fait je voulais pas faire cette vidéo parce que je me disais je suis pas une pro, donc c'est pas à moi de faire une vidéo tuto. Il y en a plein sur YouTube, que ce soit en anglais ou en français, et j'ai fait une petite IGTV il y a quelques jours pour vous montrer juste en version rapide à quoi ça ressemblait en fait une retouche pour ongles en gel. Bah, je me suis dit que répondre à vos questions n'allait tuer personne au final et que ça pouvait vous aider à mieux comprendre, à peut-être pas faire de bêtises. C'était toujours ça de prix. Alors, un truc important, n'est-ce pas, que je veux vous dire avant de commencer, qui est essentiel, que j'ai pris en compte avant d'acheter le matériel et avant de me lancer, c'est que, et ça je vous l'ai toujours dit parce que j'ai déjà fait des vidéos sur mes ongles en gel il y a quand la petite Luffy était encore violine. Alors déjà, quand vous allez chez une prothésiste ongulaire, il faut bien la choisir parce qu'il faut être sûr qu'elle respecte les codes, les normes et surtout les procédures d'hygiène. Ça peut très vite devenir un carnage, vous pouvez perdre vos ongles, vous pouvez avoir des champignons. Bref, ça peut vraiment être dramatique pour vos ongles. Ne choisissez pas par rapport au prix, mais par rapport vraiment à la qualité du travail. Mais alors, quand on veut se les faire toute seule, et là je mets un point d'honneur, il faut être sûr de s'être bien renseigné au préalable et il faut être consciente de ce qui peut se passer si on les fait mal. C'est-à-dire que j'étais consciente des mesures d'hygiène avant de commencer mes ongles. Comme je vous l'expliquerai après, j'ai acheté mes produits chez une personne qui faisait les ongles, donc la première fois que je suis allée, je lui ai posé quelques questions. Et idem pour l'élément le plus dangereux qui est la ponceuse, et ça on y reviendra après, je l'ai pas utilisé n'importe comment. Voilà, ma première retouche d'ongles m'a pris 4 heures parce qu'entre chaque étape, je regardais des vidéos pour être sûr de mes gestes. Et la ponceuse, si vous la mettez trop fort, que vous la laissez sur vos ongles trop longtemps, vous pouvez poncer à travers votre ongle quoi. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous voulez le faire à la 6-4-2, si vous voulez pas être minutieuse, ça ne sert à rien, ne commencez pas. Oui, et donc je fais pas cette vidéo pour vous inciter à faire vos ongles vous-même, hein, parce que clairement c'est hyper pratique de les faire par quelqu'un, mais je fais cette vidéo en fait parce que j'ai beaucoup de filles qui font leurs ongles elles-mêmes, qui me posent beaucoup de questions. C'est simple, à chaque fois que je fais mes ongles, ça va toutes les 2-3 semaines, j'ai une tonne de questions en MP, sous mes photos, en tweet, donc voilà. Ça dit? Merci. Alors pourquoi j'ai commencé à faire mes ongles en gel toute seule? C'est une question que vous me posez ultra souvent. Mais la réponse, c'est en une phrase, c'est que de manière générale, je supporte pas dépendre de quelqu'un. Ça m'énerve en fait d'être incapable de faire une chose en particulier, donc ça peut être les ongles en cas présent, ou ça peut être du bricolage. Ce qui m'amène en fait à regarder parfois des vidéos improbables sur YouTube. La dernière en date, c'était comment déplacer une arrivée d'eau, parce que je voudrais qu'on le fasse avec Enzo nous-mêmes, enfin on voudrait le faire nous-mêmes. Et en fait il y a un an et demi, pourquoi je me suis lancée? Parce que j'en avais marre quand j'avais un ongle qui cassait, de devoir attendre mon rendez-vous suivant pour aller le réparer. Pas par simple caprice, mais c'est simplement que bah, ça m'arrivait d'avoir un ongle cassé et d'avoir le lendemain ou le surlendemain un shooting pour une marque, pour un produit que j'allais tenir comme ça, un tournage pour la télé ou pour ma chaîne, mais ça je m'en fous un peu parce que j'ai tourné maintes et maintes fois avec des ongles cassés, voilà. Mais ça commence à me déranger en fait pour les campagnes avec les marques et pour les tournages TV d'avoir un ongle cassé, surtout quand t'as les ongles longs, ça se voit direct. Du coup, un jour je me suis cassé un ongle et je me suis dit non, là ça me saoule de ouf quoi, parce que non, en fait, j'ai décidé que c'était fini. J'ai décidé que cette période de ma vie, d'attendre mon rendez-vous d'après, était terminée aujourd'hui. Donc, bah écoutez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes 10 doigts et j'ai regardé un peu sur internet matériel de base pour commencer des ongles en gel. Je savais que j'allais me confronter à une montagne de choses que je ne connaissais pas, mais je me suis dit tant pis, j'essaye, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de me dire je peux le faire moi-même. Donc voilà pourquoi ça a commencé. Pour toutes les personnes qui me demandent du coup s'il y a un problème avec le frère ou quoi, non pas du tout. Donc le frère, pour ceux qui ne suivent pas, c'est ma pote qui me fait mes ongles, mais du coup maintenant elle fait plus mes ongles, elle fait plus que mes cils. Combien ça t'a coûté de tout acheter au niveau du matériel? Alors c'est un peu compliqué parce que j'ai acheté beaucoup de choses au fur et à mesure. Ce que j'ai acheté de base, c'est le four, parce que sans four, bah, le gel, c'est pas possible de le solidifier. Puis j'ai acheté aussi directement la ponceuse, parce que clairement, flemme de devoir
retirer toute la couleur à la lime. Et puis j'ai acheté de base tout ce qui était pinceau, lime, bah, les gels nécessaires, les couleurs nécessaires. Et vous me demandez souvent où j'ai acheté tout ça, notamment pour la ponceuse, pour le four et les premiers gels, etc. J'ai été tout simplement dans un magasin de proximité, donc c'est-à-dire une esthéticienne qui était, bon, pas tout près, mais pas trop trop loin non plus de chez moi, enfin une prothésiste angulaire, plutôt pas une esthéticienne, qui elle-même vend ses produits. Dans tous les cas, n'hésitez pas à chercher juste sur internet magasin d'ongles, et vous trouverez sûrement autour de chez vous des magasins qui sont en fait tenus par des prothésistes angulaires qui vendent elles-mêmes du matériel. Je pense que au début, j'ai acheté 300€ de produits avec ponceuse, four, etc. Voilà, c'est pas la peine quand on commence d'aller acheter les produits les plus chers. Vraiment, j'ai acheté le moins cher pour commencer, pour savoir si j'allais aimer les faire et si j'allais surtout réussir. Parce que c'est pas le tout d'acheter ces produits, hein. Arrive d'autres applications, on va en parler. Alors, plusieurs questions qui reviennent. Quel produit, machine, accessoire utilises-tu? Quelle marque utilises-tu pour faire tes ongles en gel? Bon, il y a énormément de marques qui en fait se valent sur le marché des ongles en gel. Moi, j'ai pris des produits de marques différentes pour tester un petit peu. Donc j'ai pris Pronails, j'ai pris Jean Marin, et bientôt je pense que je vais tester Indigo quand j'aurai fini une bonne partie de mes produits. En couleur, c'est le truc que je prends le moins cher. Je les prends sur Ongle 24, il y a aussi plein d'autres sites. Puis une chose aussi que beaucoup oublient, c'est que si vous les faites vous-même vos ongles, vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les couleurs une par une. Si vous voulez un rose pâle et que vous avez un rose normal et un blanc, vous mélangez, ça vous fait du rose pâle quoi. Comme en make-up, comme pour les rouges à lèvres, comme pour plein de trucs. Si c'est la même marque, hein, bien sûr. Et la même gamme, parce que dans une même marque, il peut y avoir des sans résidus, avec résidus, donc bon voilà. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé si c'était mes vrais ongles, des capsules ou du chablon. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas un peu ces termes, le chablon, en fait, une méthode pour allonger l'ongle en ayant un petit papier en guise de repère. La capsule, on appelle aussi ça des tips en Belgique, c'est en fait un faux ongle, on peut dire ça comme ça, fin en plastique qu'on va venir poser sur notre vrai ongle et ensuite mettre du gel et de la couleur par-dessus, mais toujours pour allonger l'ongle. Avant je le faisais au chablon quand je devais les allonger, et en fait les chablons que j'ai achetés sont trop courts pour ma longueur actuelle et flemme d'en racheter d'autres parce que là mon rouleau de chablon il est encore plein. Donc là je fais au tips exclusivement, ce qui veut dire qu'en fait là mes ongles en dessous poussent, hein, genre ici ben, mon ongle à moi il arrive là quoi. Alors par contre non, j'ai jamais essayé l'acrylique. Ça c'est un truc qu'on m'a souvent dit, que ça allait vite, que c'était bien et tout. Bon là j'ai tous les produits pour faire au gel, donc j'ai pas envie genre de tout balancer et de racheter des produits pour faire en acrylique. Et honnêtement j'ai jamais vu personne le faire sur moi en acrylique parce que j'ai toujours fait des ongles en gel partout où je suis allée avant. Donc clairement ça ne m'aide pas vraiment pour apprendre, parce que là quand j'apprenais avec le gel, ben, je me remémorais de ce que je voyais quand on faisait mes ongles. C'est plus facile quoi. Question, as-tu mis... Non, rien à voir. Combien de temps as-tu mis pour obtenir des beaux résultats? Clairement, je prétends pas avoir de beaux résultats encore en l'heure actuelle, mais c'est clair que mes 3-4 premières retouches... Enfin, après j'étais hyper contente, parce que clairement, j'avais jamais posé un pinceau avec du gel sur mes doigts de toute ma vie. Je pensais que ça allait être bien pire. Et encore maintenant, c'est pas nickel, mais en tout cas, je sens que je vais plus vite, je sens que mes gestes sont plus précis qu'avant. Je dirais que j'ai mis 4 mois pour vraiment me sentir plus à l'aise. Quelle technique utilises-tu pour le baby boomer? Bah justement, mon IGTV, c'est sur le baby boomer. Je vous parle de ma technique et je vous la montre, donc elle est sur Instagram. Penses-tu que les faire soi-même est plus économique? Je sais pas trop. Bah oui, j'ai acheté pour 300€ de matériel au début et je l'ai rentabilisé en 10 retouches. À savoir que je l'ai fait toutes les 2 à 3 semaines, donc voilà, en 5 mois, j'avais rentabilisé mon matériel quoi. Et ça fait un an et demi que je l'ai fait. Et as-tu une astuce pour payer moins cher? Clairement, ce sur quoi vous pouvez économiser, c'est les pinceaux, les limes. Encore une fois, comme je vous le dis, n'allez pas acheter vos pinceaux dans des magasins hyper connus, dans les grandes enseignes, ça sert à rien. Moi, à l'heure actuelle, mes pinceaux viennent d'Amazon. Voilà, j'en ai acheté 5, je pense, pour 6€. Idem pour les limes, les blocs, idem Amazon. Mais en fait, il y a même juste des revendeurs de produits d'ongles qui vendent les limes à la pièce, genre 60 centimes. Mais encore une fois, les pinceaux dans des grandes enseignes vont vous coûter 15 balles, quoi, non? Et je vous dirais que les produits les plus importants au niveau de la qualité, le primer, le désinfectant, la base, le gel de construction aussi, c'est vraiment
Voilà, prenez pas n'importe quoi, on veut pas prendre des produits qui viennent je ne sais d'où, qui sont fabriqués je ne sais comment. Alors, ensuite, comment as-tu appris à les faire par toi-même? Ben du coup, j'ai appris uniquement avec des tutos, la bonne vieille méthode, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc comme j'ai appris le make-up, j'ai appris les poses d'ongles. J'ai simplement tapé ongle en gel pose ou ongle en gel retouche, je sais plus. Et les résultats qui arrivent en général, c'est ceux que j'ai regardés. Il y a 3-4 vidéos que je regardais non-stop pour bien me souvenir des étapes d'hygiène, les étapes de pose, etc. Puis pour des méthodes en particulier, comme mettre des petites perles ou faire le baby boomer, j'ai regardé aussi des vidéos en anglais. Parce qu'il y a vraiment des prothésistes ongulaires en français qui ont des chaînes YouTube de tutos pour vraiment vous montrer comment faire votre pose vous-même et quelles techniques elles utilisent de A à Z. Ça passe de la base d'une pose à des méthodes de dessin ou de décoration d'ongles. Est-ce que tu préfères faire par toi ou en institut? Bah c'est pas une question que je préfère, c'est juste que j'adore maintenant les faire. C'est 2 heures où je sais que c'est mon moment, je suis dans une bulle, autant mettre du vernis, je déteste comme je vous ai dit, c'est vraiment une corvée, ça m'irrisse les poils et j'ai envie de le faire en 3 secondes. Autant quand je sais que je commence mes ongles en gel, je... kiff. Mais je vous avoue, parfois, quand je me dis faut que je les refasse, et en plus, en 3 jours, on part en déplacement, donc ils doivent être faits. Là, je me dis, j'aimerais bien que quelqu'un me les fasse et que, genre, en 1 heure, ce soit fini, quoi. Parfois, j'ai vraiment la flemme. Parce que j'ai pas le temps, j'ai d'autres priorités, et voilà. Mais j'ai pas le choix, parce que de toute façon, j'ai pas de rendez-vous, donc j'ai qu'à fermer ma gueule et me les faire moi-même. Alors, oui, votre fameuse question, mais comment tu fais pour vivre avec des longs ongles? Mais c'est comme tout. Comment vous faites à vivre avec des longs cheveux? À pas vous les emmêler, vous les prendre dans les coudes, à pas vous les coincer? Bah, question d'habitude, c'est la même chose. Comment on fait avec des hauts talons? Bah question d'habitude. Bah en fait c'est pareil. Et vous savez quoi? Quand je coupe mes ongles, ça m'arrive genre une fois par an, je me dis pff, marre, j'ai envie d'avoir les ongles tout courts et d'être tranquille, pas avoir de longueur et tout. Je ne m'en sors plus avec mes doigts. Mes doigts deviennent des doigts en mousse. Je sais pas ce qui se passe, genre je ne me retrouve plus. Trop bizarre, dites-moi si vous me comprenez, si vous avez des bons ongles. Et le ménage, ça se passe très bien, ne vous inquiétez pas, il fait très propre chez moi. Non, je vous avoue que le plus chiant au niveau du ménage avec les ongles longs, c'est quand on fait la vaisselle, donc on doit tenir un objet mouillé et que ça glisse, là on galère un peu. Alors ici on me demande est-ce que c'est tes ongles naturels ou bien tu fais un rallongement. Donc je dirais que là, tous mes ongles naturels sont au moins à la moitié du gel quoi. Et en fait, beaucoup me demandent comment je fais pour faire pousser mes ongles sans qu'ils cassent, mais le gel c'est une matière qui est dure, donc en gros il peut pas casser comme un ongle naturel fin casserait. C'est pas possible, c'est pour ça que mes ongles poussent et qu'ils sont longs quoi. C'est pas trop compliqué de faire ta main droite à moins que tu sois ambidextre. Non, je suis pas du tout ambidextre, mais j'ai vraiment galéré à faire la main droite avec la main gauche. Même moi je sais pas comment je fais. Ta ponceuse ne te fait pas mal aux ongles? Alors si, au début ça pouvait parfois chauffer. C'est à dire qu'en fait la ponceuse, la règle d'or, c'est de jamais la laisser au même endroit. Donc toujours la bouger, voilà, toujours être en mouvement sur l'ongle. Parfois ça peut arriver que tu glisses et du coup tu restes, voilà, peut-être 2 secondes au même endroit. C'est un peu long, 2 secondes, mais 1 seconde. Et ça peut chauffer. Donc moi je fais hyper attention en fait sur les bords, là où le gel est plus fin, parce que je sais que si je reste un peu trop longtemps sur les bords, là où le gel est plus fin, peut très vite être sur mon ongle à moi et me faire mal. Puis si vraiment je vois qu'il reste un peu de couleur sur les bords, je commence pas à vouloir l'attraper avec la ponceuse, quitte à peut-être me brûler ou me faire mal. Je le fais à la lime, on en parle plus. Vraiment la ponceuse ça peut être une cata. Quand j'ai commencé, imaginez, voilà, la ponceuse a des niveaux comme ça qui sont en demi-cercle. Quand j'ai commencé, j'étais même pas au niveau 1 sur 10 quoi. J'ai commencé, je mettais 3 quarts d'heure rien que pour retirer ma couleur. Je pense qu'à ce stade là je pouvais même le faire à la lime, c'était pareil, j'aurais mis le même temps. Et maintenant voilà, j'ai augmenté, je suis genre au niveau 7 sur 10 parce que bah, je sais que je vais plus vite et j'ai moins peur. Tu ne regrettes jamais de ne pas voir tes ongles naturels plus souvent? Absolument pas, je déteste mes ongles naturels, j'ai jamais aimé. J'ai commencé les poses en gel mais il y a vraiment très longtemps. Avant, ce que je faisais c'était que une fois par an je retirais tout et je laissais mes ongles comme ça et je prenais patience pendant 2-3 semaines pour voilà arrêter un peu, mettre du vernis. Maintenant je ne le fais plus. Quand je mets du vernis, je le mets tellement mal, c'est pas du tout propre quoi. Est-ce que tu arrives à attraper une pince à cheveux tombée par terre? Car moi non. Oui, ça j'arrive à attraper. Ce que j'ai du mal à attraper, c'est ma hantise quand je fais la caisse, c'est les pièces. Je me dis non. Je palpite, je suis là, putain, je mets 2 heures à attraper la pièce, on va me regarder, ils vont se dire qu'est-ce qu'elle fout celle-là, elle sait pas attraper une pièce. Ah putain, généralement c'est Enzo qui les attrape, parce qu'il sait bien. Après je me tape la honte. Est-ce que t'as dû passer par des capsules ou du chablon pour avoir la longueur que j'ai maintenant? Non, parce qu'en fait ma toute première pose elle était courte et puis à chaque retouche bah, mes ongles allaient pousser un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Alors ils tiennent environ combien de temps? Bon, par tiennent, j'entends tous les combien il faut les refaire, ça dépend un peu de vous et ce que vous supportez.
dans le sens où moi avant, genre il y a 5-6 ans, encore une fois, avant de faire ce métier, je les laissais pousser pendant 3 ou 4 semaines. Bien sûr, t'as une repousse, si t'as une couleur nude, elle se voit moins, mais à l'heure actuelle, là je les refais toutes les 2 semaines. Mais c'est moi qui ai envie de les faire toutes les 2 semaines. Après, clairement, on peut rester 4 semaines avec sa pose, mais il y aura une repousse quoi. Alors, deux questions qui vont un peu l'une avec l'autre, du coup tu les enlèves comment? Et grosse question, est-ce que ça abîme nos ongles? Tu les enlèves comment? Moi je les enlève pas, mais si je veux les enlever, ben, j'ai qu'à poncer tout le gel avec ma ponceuse ou une lime. Alors est-ce que mes ongles sont abîmés? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre vu que je ne laisse pas mes ongles sans gel. Mais il est clair que quand on applique pour la première fois du gel sur ses ongles, il faut limer un petit peu l'ongle naturel, mais vraiment en surface. Et si la personne qui vous l'a fait, ben, fait bien les choses, elle doit pas trop en fait solliciter votre ongle naturel et pas trop l'affiner ou pas trop le limer. Après, c'est certain que quand on lime même un tout petit peu la surface de l'ongle naturel, qui est déjà pas très épais, il devient un peu plus fin et donc peut-être un peu plus mou ou un peu plus fragile. Mais après voilà, plus ton ongle pousse et plus c'est un nouvel ongle qui arrive et la partie de l'ongle qui a été limée, elle s'en va, tu la coupes quoi. Alors tu vas plus du tout chez les frères, ça te manque pas. Bah si je dois compter le temps d'aller, de faire ma pause et de revenir chez moi, c'est le même temps que je mets à me les faire moi-même. Et clairement, si elle doit me faire mes cils et mes ongles à chaque fois, je passe 3 heures chez elle toutes les 2 semaines. Alors est-ce que tu préfères les ongles plus discrets ou très voyants? Je pense que chacun a sa notion de discret et de voyant. Je pense que pour certains des ongles nude mais longs, ça va être voyant. Pas pour moi. En termes de couleur, quand c'est l'automne-hiver, je mets du pourpre, du bordeaux, des choses... Non pas du bordeaux, de l'aubergine, du noir aussi, voilà, des couleurs plutôt sombres. Mais j'en mets beaucoup moins souvent que des couleurs nude. Les peu de fois où je mets des couleurs plus intenses, comme du rose un peu plus voyant. Après une semaine, j'en peux plus quoi. Après une semaine, je suis là, oh c'est dégueulasse. J'ai l'impression qu'il y a une certaine... oh les longs ongles, c'est tellement... Mais faut arrêter avec les clichés, faut arrêter d'écouter les gens qui disent les longs ongles c'est pas chic, c'est pas classe. Encore une fois, c'est une question de culture et une question de goût. Tout est une question de comportement global, il faut arrêter de mettre des choses dans des cases. Quelqu'un qui va être tout à fait sobre dans sa tenue et dans ses ongles et dans son make-up peut être très vulgaire. Comme quelqu'un qui va être très exubérant dans sa tenue ou son maquillage peut être très très chic. Et c'est bien un truc dans Beauty Match que je voulais absolument pas faire. C'est-à-dire catégoriser un élément. Par exemple, je dis une bêtise, les talons hauts, c'est pas chic. Mais j'ai jamais voulu faire ça parce que c'est des raccourcis qui sont rapides et qui sont vraiment pas pertinents. Parce que en fonction de ta tenue globale, oui, les talons hauts pourront être chic ou pas. Et pour moi, c'était hors de question de mettre des choses dans des cases. C'est pourquoi j'ai toujours jugé des looks en fonction de la demande de l'art looké. Et pas en fonction de grandes règles sociales que je voulais imposer ou que je voulais mettre dans la tête des gens. Ça m'énerve. À quel moment une personne incarne et décide du bon goût ou pas? Parce qu'alors ça veut dire que si les couleurs flashy sur les ongles ou sur les sacs c'est pas chic, ça veut dire que Chanel c'est du bon goût, Balenciaga c'est du mauvais goût. Bah non. Il y a des filles, ça va être des Chanel, il y a des autres, ça va être des Balenciaga ou des Balmain. Voilà, les styles sont différents, c'est pas pour autant qu'il y a du mieux ou du bon goût et du pas du bon goût. Tu peux avoir des ongles longs et jaunes fluo et être super stylé et avoir un look de dingue. J'ai fini avec mon monologue. Est-ce que tu peux nous montrer de A à Z comment tu fais pour les mettre et les enlever? Non, franchement, j'ai même pas envie de faire cette vidéo parce que j'ai pas envie de filmer pour devoir expliquer, ça va me prendre une éternité et j'ai pas spécialement envie de filmer ce genre de contenu. Donc voilà, par contre répondez à vos questions, si vous en avez encore, j'y répondrai. Est-ce que ça t'arrive qu'il se décolle à la base? Oui, au début de mes poses, ça m'est arrivé. Et en fait, je pense que c'est parce que mon bombé n'était pas assez épais. Et du coup, mes ongles étaient longs, mon bombé était trop plat. Et du coup, les chocs fragilisaient la base de mon ongle. Et ça se décollait en fait quand j'appuyais. Ça peut être soit parce que vous avez mal préparé votre ongle naturel, soit parce que votre bombé du coup il est pas assez présent ou pas au bon endroit. Ah bah justement, comment faire pour les laisser fins sans l'effet boss? Si on veut des ongles en gel qui soient longs, malheureusement, il faut qu'il y ait le petit bombé. Après, si vos ongles sont courts, ça sert à rien de faire un bombé. Hein. Voilà, je pense que je vous donnais quand même pas mal d'infos et j'ai répondu à pas mal de vos questions. Et n'oubliez pas, sinon qu'on se retrouve sur Instagram au quotidien. Je peux aussi répondre à vos questions parfois là-bas, donc c'est bien de me suivre aussi sur ce réseau social. Et ensuite sur Snapchat où je vous parle aussi de temps en temps en story. Et puis sinon, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.